placé. Bon, les Zizi qui va écarter sur Kevin Perticot. La frappe de Kevin Perticot, c'est dedans. Ouverture du score très rapide dans cette rencontre. Quatrième minute de la partie. Kevin Perticot permet au Pamplemoussiassi de prendre les devants. Dans le coup de la part du numéro 9. Encore une fois, c'est lui, Fabrini Raza, qui double la mise pour le Pamplemousse SC. Patrice Marie qui récupère pour Arekion. Arekion, la frappe de ce dernier et la réduction du score de la Pura de l'AQA Sylvestre à la 27e minute de la partie. Axel Arekion. Jocelyn pour Perticot, le centre est parti. Et puis là, il y a Branly Zizi pour assurer parfaitement la connexion. 41e minute de la partie. Ça fait 3 à 1 pour le Pamplemoussiassi. Coco. Ah, ça n'a pas été bien donné en retrait. Fabrini Raza peut-être pour le quatrième but. C'est dedans. 65e minute de la partie. Doublé pour Fabrini Raza. Et ça fait 4 à 1 pour la cure. Pour le Pamplemoussiassi. Bien donné, il n'y a pas de hors-jeu pour Fabrini Raza. Peut-être le triplé pour l'attaquant malgache. Il donne un véritable caviar à Branly Zizi à la 78e minute de la partie. Et ça fait 5 à 1 pour le Pamplemoussiassi.